Bien, bonsoir, ami internaute là. Donc, ami de Facebook, je voudrais pousser un coup de gueule, car là, il y en a ras le cul de voir nos responsables gouvernementaux là, qui ne branlent rien, qui pensent qu'à s'engraisser aux frais de la princesse, payer un coiffeur à 10 000 euros par mois, hein, à faire comme Cazeneuve, là, faire fermer la gueule aux policiers, puis donner raison aux voyous. C'est une honte, il y en a ras le bol. Rejoignons les Corses. Empêchons-les d'agir en France, les terroristes, là. Et foutez-moi les terroristes dehors à coups de savate dans le cul. Descendons tous dans la rue, il y en a ras le cul, là. Hein, des dictateurs. Hein, il est arrivé au gouvernement, il était sec comme un coucou. Maintenant, il est gras comme un mulot. Non, mais c'est une honte. On ne pense qu'à nous taper sur la gueule, nous pomper notre fric. On double les charges des entreprises, il faut embaucher. Mais comment voulez-vous que les entreprises embauchent? Comment voulez-vous qu'on investisse dans la société si on ne fait que nous pomper sur notre salaire? Mais il y en a ras-le-bol, et là, maintenant, on se fait flinguer dans les églises. Mais c'est une honte, Hollande démissionne. Casse-toi avec ton gouvernement d'enculé, là. Mais tire-toi, espèce de fumier. On n'a plus besoin de toi. La France, tu as pourri la France, tu as pourri la France. Tu l'as détruit, t'es une saloperie. Tu n'as plus rien à foutre en France au gouvernement. T'es pas un homme d'État, t'es une saleté. Ton Valls, là, c'est un dictateur. Tu le mets Hitler à côté, c'est la même tête. Mais c'est une honte de voir ça. C'est honteux. Vous nous faites vomir. Vomir, vous avez bien compris, vous nous faites vomir. On est écœurés. Et qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. Mais on va prendre les armes et on va sortir dans la rue. On va aller aider la police et la gendarmerie à neutraliser ces saloperies. On va sortir, on va aller prendre les armes. Et là, il y en a ras-le-bol. Vous pouvez me bloquer mon Facebook, j'en ai rien à foutre, j'en remettrai un autre. Et ça continuera jusque temps qu'on arrivera au bout des choses. Vous êtes des bons à rien. On peut même plus aller voir un feu d'artifice, on peut même plus aller prier à l'église. Hein, on peut même pas aller boire un coup en terrasse, dans un bistrot. Non mais c'est une honte. C'est une atteinte à la liberté. Et vous y participez. Et vous êtes les maîtres d'œuvre. Eh ben voilà, mon coup de gueule il est passé. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de Français pour me soutenir. Hein. Et en 2017, on a intérêt de voter du bon côté et voter des gens corrects. Sinon, moi, je vote pour ma machine à laver parce qu'elle a des programmes et elle rend le linge beaucoup plus propre qu'il est rentré. Elle lave. Elle, au moins, je peux lui faire confiance.